Bonjour à tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons une très joyeuse année. Non, la bienvenue pour ce match. Oui, ben déjà, bienvenue à tous. Bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Le derby madrilène, Pierre. Et quand l'Atlético rencontre le Real, c'est toute la capitale Madrid qui retient son souffle. Oui, d'autant que c'est devenu très équilibré entre les deux équipes. Hein. Ben, d'ailleurs que l'Atlético s'est même imposé à Bernabéu 3 saisons de suite. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Cette rencontre est extrêmement attendue parce qu'elle oppose deux prétendants au titre. C'est sûr qu'à partir de maintenant, ce sont des matchs qu'il faut à la fois gagner et ne pas perdre. La nuance est un peu subtile, mais c'est vraiment important. Gaïtan. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Da Silva. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. On s'approche de la zone de vérité. Stefan Savic. Philippe Ruiz. Thomas. Caïtan. Ouais, un bon ballon d'attaque. Le centre, c'est pour Griezmann. Morata. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Attention, si ça rentre, Ousmane Dembélé. Ce sera un corner pour le Real. Ah, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Et c'est encore un corner. Il tacle. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Attention, ça peut être dangereux. La touche va bénéficier à la Fitico. Ça roule. Il est sur la trajectoire. Lucas Silva. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur Karim Benzema. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Caïtan. Et touche, hein, le ballon a été dévié. La touche, ça va vite. C'est le moins qu'on puisse dire. Philippe Luis. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Changement de possession. Morata. Fabio Contrao.
Mateo Kovacic, Marco Asensio. Dembélé. Da Silva. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, la lutte est après un peu reprendre ce ballon. Gabi. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Morata. Benzema. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Karim Benzema. Situation délicate à gérer pour lui en ce moment. Qui est un petit peu nostalgique de son pays. Du coup, il n'est pas forcément bien dans sa tête. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Tiens, rapidement, un petit mot sur la première moitié de match de Ousmane Dembélé. Attention, si ça rentre! On va changer un joueur du côté de l'Atlético. Juan Fran. Il est dépossédé du ballon. Il a choisi de centrer. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Da Silva. Lucas Silva. On s'approche du but. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Le ballon est perdu au profit de l'Atlético Madrid. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Oui, il a la frappe. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Allez, on redouble les passes. Allez, qui va reprendre ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. C'est un centre. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Ousmane Dembélé. Morata. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ils font tourner. La position de hors-jeu pour Karim Benzema. Gabi. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Allez, le tir de Karim Benzema. On reste sur ce score de parité. Keïtan. Ah oui, comme une faute. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Mateo Kovacic. Ah, ça ne passe pas. Allez, touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Lucas Silva. Mateo Kovacic. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Benzema. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Kevin Gamero. Et bien l'intervention, changement de possession. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Oui, ça reflète bien l'équilibre de ce match. Les 30 derniers mètres.
Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et à suivre prochainement, on aura de la Liga au programme avec cette rencontre. C'est le face-à-face avec le gardien, Ousmane Dembélé. Et le but, ouais, ils prennent l'avantage. Le joueur qui marque au moment où le match était un petit peu en train de baisser d'intensité. Oui, et pour vraiment le coup, c'est le premier qui a accéléré, qui en a profité. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Il y avait un changement, le prochain arrêt. Il aura fini son échauffement, il est prêt. Saoul. Ça part bien, action dangereuse. C'est finalement récupéré par le Real. Danilo. Benzema. Karim Benzema, le but. Un deuxième but, quasiment coup sur coup, et des choses qui n'ont pas très bien. Je vois déjà l'entraîneur qui donne de nouvelles consignes à sa défense. Je vous laisse apprécier ce but que nous savons. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match, disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Donc on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On s'approche du but. Et la voilà, la frappe. Le joueur qui s'est retrouvé seul face au gardien au terme de cette action. Très beau mouvement, c'est après que c'est moins bon. 2-0, les minutes qui défilent. Ça va peut-être évoquer la prochaine rencontre de cette équipe. Ouais, on va affronter Trifon ensuite. Un match solide de la part de cette équipe aujourd'hui. Il redonne à Benzema. Attention, il n'y a plus que le gardien. Karim Benzema. Ah, c'est pas passé loin. Énorme occasion. Le joueur s'était bien défait du marquage, mais il échoue un petit peu dans son dernier geste. Anthony Martial. Juan Fran. Un coup franc alors qu'il reste peu de temps. Gaïtan. Et ça va. Le gardien qui va sortir. Nico Gaïtan. C'est dommage hein, parce qu'il s'était bien ouvert le chemin du but. Ah, il a peut-être trop tergiversé dans le dernier geste. Peut s'en vouloir, c'est sûr. Danilo. Pépé. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Da Silva. Allez, ça y est, l'arbitre qui vient de siffler à l'instant.